Salut à tous, c'est Merlin, on se trouve pour un nouvel épisode de Star Wars, et donc on va continuer la campagne des Wookiees. On est à la deuxième mission. Donc mission assez moyenne en fait, hein. Ça va être modéré, la difficulté de cette mission. Il va falloir reconstruire un monument, et le garder jusqu'à la fin, donc c'est parti. D'habitude, Yann n'est pas du genre à soutenir les causes perdues, mais il se laisse attendrir depuis quelque temps. Après sa rencontre avec Wibaka, Yann décida de les aider à reconstruire leur arbre gouvernemental et à contacter la République. Et ceci en dépit de la présence plus que probable de l'Empire. Quand j'y pense, je me dis que soit il s'est laissé attendrir, soit il est devenu fou. Ou peut-être les deux. Capitaine Okan est en ruine. Pendant que nous recherchions d'éventuels survivants, nos alliés Wookiees nous ont raconté tout ce qu'ils savaient. Les marchands d'esclaves trandosiens arrivés quelques jours avant ont rassemblé tous les Wookiees et les ont entassés dans des parcs pour leur faire quitter Kashyyyk. Certains ont réussi à s'échapper en se battant et ont disparu dans la forêt. Ils sont probablement des milliers cachés dans les bois, ne sachant pas où aller. Des milliers, Chewbacca a eu une idée. Établir une base sur les ruines de Capitaine Okan et reconstruire l'arbre gouvernemental Wookiee qui a été détruit. Lorsque le monument sera en place, la nouvelle se répandra vite et les Wookiees seront prêts à se battre pour reprendre Kashyyyk. Construisez des défenses avant de terminer l'arbre gouvernemental. L'Empire a des espions partout, on enverra sans doute une armée pour le détruire. Recherchez les Wookiees qui sont échappés, qui pourraient se cacher dans les bois, évidemment. Nos éclairs ont repéré un camp d'esclaves trandosiens au nord-est, des prisonniers Wookiees pourraient s'y trouver. Plusieurs routes mènent à la base impériale en bordure de rivière. L'une d'elles est peut-être moins dangereuse que les autres. Très bien. Pourquoi le fait de reconstruire un arbre gouvernemental nous aidera à contacter Lando et Luke? D'accord, je me mets à l'ouvrage. Donc voilà, alors j'avais pas vu que c'était terminé de parler, j'aurais pu parler depuis avant, mais on va aller chercher tous les Wookiees qui se sont séparés. On va construire une ferme ici, enfin un élevage plutôt. On va aller voir s'il n'y a pas d'autres nerfs qui sont séparés. Voilà, on a pris le contrôle de tout le monde, c'est parfait. Alors des milliers, ils ont à peine exagéré, hein. Alors, mais bon. Voilà, il y en a encore, on a des nerfs. Très bien. Alors l'arbre gouvernemental, ah bah voilà, bah, il y en a plein. 3, 3, 6 et 2, 8, d'accord. Alors, on va construire l'élevage. Hop. Ce qui peut nous permettre de faire de la nourriture. On va reconstruire des ouvriers. Alors, Wibaka ne peut pas être en garnison. Je ne sais pas pourquoi. Il ne veut pas. Vous voyez. Par contre, eux peuvent. Donc, on va les mettre dedans pour éviter les dégâts. Vous, vous allez rentrer dedans. On va pouvoir faire ça pour que l'élevage grandisse. Et lui, il est bloqué. Bon. RIP. Et donc là, ouf, 49, nickel. Alors on va pas toucher à l'arbre gouvernemental pour l'instant, tout simplement parce que parce qu'on peut pas. Sinon l'Empire va commencer à envoyer des personnes pour nous attaquer et on ne veut pas. Donc on va s'abstenir pour l'instant. Vous tous, vous allez venir. Hop. Vous allez venir aussi. Alors j'ai envoyé les nerfs aussi, mais tant pis. Alors vous allez passer par là pour avoir l'ouvrier ici. Voilà. Hop. Vous allez nous faire du carbone. Et ensuite on passera au niveau technologique suivant. 500 de nourriture. Alors on va construire un astroport une fois qu'on aura... Le niveau technologique supérieur. Est-ce qu'on va en avoir besoin? Où sont les nerfs? Les nerfs sont-ils arrivés? Non, ils sont là. Alors vous allez aller directement vers votre élevage. Et on va aller, je suppose, détruire le camp de Trandosien. Donc on va faire une petite sauvegarde. Alors Chewie 2. J'utiliserai le premier slot aussi, hein, évidemment. Et donc on va aller détruire tout ce beau monde. Tout simplement parce que on a besoin. Ah, il en reste un encore là. Bah, hop, tu vas nous faire du carbone. Alors les bases de l'Empire, pas impossible d'y toucher. Hein.
C'est impossible d'y toucher. Ah, il y en avait un là encore, bah tu vois. L'esclave trandosien, non, non. Alors vous allez aller... Ah, il y en a encore un là. Vous allez aller me détruire la tourelle qui est là. Pour l'instant, on touche pas à l'arbre. Hein. Il ne faut surtout pas toucher à l'arbre pour l'instant. On va attendre... D'ailleurs, on va faire une caserne. Hop. On va en faire une ici, parce qu'on aura besoin de masse de soldats anti-aériens, donc... Alors, on tue tout le monde. Alors, où sont mes soldats? Ils arrivent ou ils arrivent? Alors, on va pouvoir tuer le rencor à la con. Alors, je pense que je vais le cramer, en fait. Il ne fait pas tellement de dégâts, donc on va attendre que... Non! Hop, on s'en fout. On va attendre que la tourelle soit détruite. Et on enverra nos copains. Alors ça c'est fait. Alors quand on aura 500 de nourriture, on va pouvoir avoir le niveau technologique 2. On va attendre que la tourelle soit détruite, ensuite on enverra nos soldats pour tuer le rencor. On va tuer tous ces mecs là pour récupérer des mécanoïdes qui sont dans les trucs. Hein. Et là par contre on va éviter. Alors ça, pareil. Transport aérien, il y a des Dark Troopers dedans. Donc il va falloir essayer de les stunt Dark Troopers. On va essayer de détruire le transport aérien avant que les Dark Troopers ne mettent pied à terre, parce que sinon ils sont très difficiles. Les Wookiees sont très fragiles. Vous voyez qu'ils n'ont aucune armure. Ils n'ont pas d'armure les Wookiees. Donc il va falloir faire très attention. Donc c'est pour ça que le monument je ne le commence pas maintenant. On le fera plus tard. Et le temps que le monument se fasse, on pourra créer des défenses. Parce que sinon ça va être compliqué. Il y a des... Ouah, lui, bah alors. Hop. Il n'y en a plus d'autres? Très bien. Alors ça c'est le bouton qui nous permet de voir si un ouvrier est inoccupé, hein, de sorte à le mettre au travail. Ah, toi t'es mort. Allez, la tourelle là, c'est combien de temps que vous la brûlez maintenant là? Alors on va aller détruire eux. On va aller les tuer. Pour récupérer des mécanoïdes qui vont nous être assez utiles quand même. Alors je ne sais plus si c'est des mécanoïdes de choc ou... Je ne sais plus. Ils viennent pas? Mais ils viennent pas, alors on va y aller à part un. Ah bah s'il faut tirer sur les trucs. Hop. Vous avez vu comment ils sont fragiles les Wookiees, c'est un truc de dingue. Franchement, c'est la pire civilisation du jeu pour moi. Même leur capacité spéciale, là, elle pue la mort. Hein. Les francs-tireurs, ça pue, franchement. Alors eux reviennent, très bien. J'aurais pu envoyer Chewbacca et Han, hein, ils auraient limité la casse, mais bon. Vaut mieux pas trop les risquer, on va dire. Pas tellement ça le mot que je cherchais, mais ça passe. Alors, 460 de nourriture, on va bientôt pouvoir passer au niveau technologique suivant. Bâtiment trandosien. Ouais, celui-là aussi si vous voulez. Hein. De toute façon, il va falloir détruire les trois. Toi, t'as pas de place, alors tu vas voir l'autre. Et donc maintenant, voilà, là c'est bon. On peut, alors tac. Et on va pouvoir ensuite faire des soldats anti-aériens, surtout. Qui vont nous être très utiles. Parce que je crois qu'on ne peut pas passer le niveau technologique 2 dans ce niveau. Donc il va falloir faire avec les moyens du bord. Donc une mission assez difficile parce qu'ils envoient quand même pas mal d'unités. Hein. Une mission que j'aime bien. J'aime pas du tout quand on doit survivre à des trucs. Parce qu'en fait on n'en voit pas le bout finalement. Parce qu'ils font toujours encore plus d'unités, encore plus d'unités, encore plus d'unités. On peut pas rivaliser
avec l'ordinateur au bout d'un moment, parce que nos ressources s'épuisent, alors que ils ont des bonus, surtout dans les niveaux de difficulté plus haut. Donc franchement, honnêtement, c'est pas le truc qui me... Ah voilà, c'est des mécanoïdes, c'est très bien. Alors on a que ça, malheureusement. Destroyer mécanoïdes. Alors, est-ce qu'on va éliminer les 32e ou pas? Il en reste un. Il est là. Bon, on va pouvoir... Pff, allez, vas-y, reviens là. Niveau technologique, très bien. Tac, on va faire les soldats. Alors, je vais créer beaucoup d'unités avant d'aller faire l'arbre gouvernemental. On va construire un astroport. Parce que l'astroport va m'être utile, tout simplement parce que je vais convertir tout le Nova en nourriture. Ce qui va me permettre de faire beaucoup de soldats. Alors ça aussi, on va l'améliorer. On a passé de nourriture, voilà. C'est bien ce que je disais. La nourriture va mettre très très... Alors on va finir le Nova et on va se mettre une bonne petite cartouche de carbone. Hein. Alors déjà, ça, on va en faire, hein, même si ça va nous réduire la nourriture. Tant pis, de toute façon, on n'a plus besoin de nourriture. Pour les niveaux technologiques, donc les nourritures, la nourriture, on va la menuiser, hein, au fur et à mesure. Alors par contre, les soldats antiaériens, on va en faire au moins une bonne vingtaine. Voilà, alors, hop, pas assez de cristaux Nova. Ah bah oui, du coup, ça c'est drôle par contre. Alors, je vois pas. Alors, faire une usine de mécanoïdes. On peut même pas faire une usine de mécanoïdes d'ailleurs. Ce qu'on peut faire, c'est ça, par contre. On va faire des murs. Mets-toi droit, connard. J'aurais pu foutre la tourelle à l'intérieur, mais bon, tant pis. Alors par contre, le minerai, on va en avoir besoin aussi. Alors, est-ce qu'on en produit ou est-ce que je l'achète? Ouais, je vais pouvoir faire une tourelle avec. Alors pourquoi est-ce que là, il n'y a pas... pourquoi est-ce que là, il n'y a pas de mur? J'aurais dû foutre la tourelle à l'intérieur quand même. J'étais con. Je pense que j'ai fait le con. Logiquement, on récupère le truc hein, quand c'est pas construit. Je pense que j'ai fait quoi, hein, faire ça. Tant pis. Hein. Hop. Hop. Ah, mais il en reste un là. Bah voilà, il semblait bien hein, qu'il en manquait un. Je veux pas avoir l'air de dire ouais, mais attends, le mec il a compté ses soldats, mais il me semblait bien que c'était trop peu pour il me semblait que j'avais vraiment une surdose de... Mais tant mieux, de soldats lourds, parce que soldats on va en avoir besoin aussi. Soldats lourds montés, on va en faire maintenant qu'on a les Nova. Alors mon mur pue la merde, mais ça va les stunt un petit moment, mais ça peut être la folie hein. J'aurais pu faire une deuxième caserne, moi. Je pense que je vais faire une deuxième caserne. Enfin, une deuxième caserne. Ici. De manière à produire des unités en masse. Parce que là, ça va faire un par un. Et un par un, c'est pas terrible. Alors, on va refaire un mur ici. Alors, les armes m'emmerdent. Hein. C'est le cas de le dire. Alors tu vas nous faire une masse de soldats aériens, mais un truc de ouf. Tu vas venir là, ils vont venir là. Et ensuite on va faire une masse de soldats montés. Et il nous faut des cristaux Nova, exactement, j'avais oublié. Il nous fallait des cristaux Nova. Alors j'espère que mon mur ici va pouvoir être fait sans dépasser les 100. Oh, large, on va pouvoir refaire une tourelle. Alors ça c'est une tour de guet, hein. Ça c'est une tourelle, voilà, parce que moi je me faisais avoir, donc on ne pas se faire avoir.
Alors, est-ce qu'ils ont été améliorés? Non, ils n'ont pas été améliorés, c'est dommage. Alors, tout va assez vite grâce au générateur d'énergie, hein. Je précise, on va en refaire, et on va en refaire deux aussi. On va faire une sauvegarde. Et qu'est-ce que j'ai construit là? J'ai construit une tourelle légère. Et ça prend pas 100? Ah, ça prend 100 de minerai. Et pourquoi il m'a pas déduit? Bon, bah j'ai eu une toile gratos, je crois. J'ai eu une tourelle gratos ou je rêve? J'ai dû avoir une tourelle légère gratos, tant mieux. Alors on va la faire, on va en faire une autre ici. Alors il n'y a pas un médecin. Je ferais bien un médecin. J'ai envie de faire un médecin. Alors c'est absolument pas exagéré, hein. D'ailleurs je pense que tous mes soldats anti-ariens vont mourir. De toute façon, donc c'est vraiment pas exagéré de construire autant de soldats anti-aériens. Parce que en fait, je construis beaucoup sur un anti-aérien pour que l'assaut des bombardiers, etc. Ne passe pas. Voilà, ça commence, hein. C'est pour ça que... Alors, on va construire l'arbre. Et j'ai pas... putain, je suis dans la merde. Ah, ça me saoulait. J'ai oublié ce mur. Putain, j'ai oublié ce mur. Bon, on recharge. On recharge totalement. Ah, j'ai oublié le mur. Ok. Quel con. J'ai oublié le mur, quoi. On va faire une porte ici d'ailleurs. Pourquoi faire une porte? Parce que il va falloir détruire les béliers avec nos soldats. J'ai oublié de construire un mur, quoi. Je suis vraiment ouf. Ça commence déjà. Commence à arriver. Alors vite la porte, s'il te plaît. Voilà. Fermé. On va ouvrir la porte. Ils vont aller détruire les béliers. Ça risque d'être chaud quand même, hein. Ça risque d'être très chaud. On va en faire au fur et à mesure, hein. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à faire dans ce jeu, dans ce niveau. Surtout que ça, c'est pas encore construit d'ailleurs. Je sais pas comment je vais faire. Je pense que je m'y suis mal pris. Je suis très mal pris à mon avis. Parce que là, il va falloir survivre pendant qu'ils font le truc. Ouais, je pense que je me suis très très mal pris à mon avis. Mais bon, je pense que ça va le faire. Et ça va être chaud, hein. Je pense que ça va être très chaud. Allez, tue-le là. Ah, oh, la tourelle va s'en charger. Oh putain, j'ai plus de trucs. Ça va être très chaud. J'ai plus de nourriture. Ah, c'est la dèche, les mecs. J'ai plus de Nova. Ah. Ça va être très chaud. Je pense que c'est terminé. Alors est-ce qu'il renvoie? Non, il n'a pas l'air de trop. Ça va être très très dur. Oh là là, j'ai oublié ça. Ah ouais, non, c'est mort. C'est mort. Je m'y suis mal pris. Très mal pris.
je m'y suis très mal pris. Ils sont là, eux. Bon, lui, il le stun, très bien. Oh là là. Vite, vite, vite. Ah ouais, non, ça va être très chaud. Pour l'instant ça passe, il renvoie personne. On va faire des soldats vont monter, on va faire comment est-ce qu'on pourrait faire. Bon, lui il se fait tuer, très bien. Est-ce qu'ils envoient, ils ont... putain ils envoient encore des trucs, ça va être chaud. Ils ont envoyé leur transport, ils ont encore envoyé. Ça va être très dur hein, les amis. Ça va être très très dur, le monument est à 30%. Ça va être chaud. En plus, il va falloir tenir 100 jours après. Donc ça va vite, mais ça va pas vite. Quand vous êtes en PLS, là. Alors, on va vendre un peu pour refaire des soldats. Lourd monté. On va faire une petite sauvegarde. Hein. Alors, on va faire un test. Le mec est plus du tout assuré de finir le jeu, quoi. Ah, les Wookiees, c'est une horreur, ces missions-là. C'est chaud. Franchement, c'est chaud. Alors ce qui est bien, c'est que le mur, voilà, stunt l'artillerie, donc c'est très bon. Eux, ils ont le temps. C'est pas la folie, mais ça passe, ça passe. J'espère que ça va aller. On pourra peut-être refaire. Il y a pas un ouvrier qui chôme là, non. Non, il y a pas d'ouvrier qui chôme. Lui, qu'est-ce qu'il fait là? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de tout le monde là. J'ai besoin de tout le monde. Toi aussi, j'ai besoin de toi. Allez, viens. Là, chaque truc, mais je vais en avoir besoin de tout le monde. Hein. Ah là là, j'aime bien la campagne des Wookiees. Alors, je vais pas arrêter de sauvegarder, désolé. Hein. Alors, je vais regarder un truc, j'espère que j'enregistre. oui. Donc oui, j'enregistre bien, parfait. Oh vite, 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 j'avais oublié ça. Vite, 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 vite. Ah. Vite, il nous faut des soldats lourds. Ah. Oh, nickel. Nickel. Alors par contre, on va peut-être réparer la porte quand même. Ça me fait un ouvrier en moins, mais tant pis, il faut réparer la porte. Sans déconner, cette mission est chaude aussi. Alors la troisième est plus facile, donc il va y avoir moins de difficultés dans la troisième. Cette mission est chaude. La quatrième ça passe, la cinquième ça passe aussi, mais la sixième ça passe, mais la septième, je ne sais pas comment je vais faire. Jamais je ne tricherai, mais je pense qu'on va. Il faut que j'établisse un stratagème pour que ça aille vite. Parce qu'on est tellement... Mais alors là vous voyez, là, il y a un assaut de l'Empire. Mais c'est que dalle. Honnêtement, c'est que dalle. C'est rien du tout. C'est absolument rien par rapport à ce qu'il y a dans ce niveau. C'est une horreur. Ce niveau est une horreur. De toute façon, je pense que c'est honnêtement le plus difficile de tout le jeu. Ouais, je crois que c'est le plus difficile de tout le jeu. Je crois que c'est vraiment immonde. C'est immonde. Il est immonde, ce niveau. J'ai pas d'autres mots. Il est immonde. Y a pas d'autres mots. Hein. Et toi aussi, qu'est-ce que tu fais là? Viens là. J'ai besoin de tout le monde. Ouais, elle commence à mourir. Alors, je vais les réparer simplement parce que ça les occupe. Ils pensent pas à mon monument.
Il va nous falloir du minerai. Je pense que je vais refaire des ouvriers. Je vais en refaire. On va refaire ça. On va en refaire. Ça doit en monter. Donc le monument commence à prendre forme, c'est très bien. On va retourner pour les aider. Alors, ils n'ont pas toujours pas envoyé de ça. Alors j'espère que mes forces sont bien. On va en faire quelques-uns quand même. On va totalement. Alors je vais faire du Nova. Les trois là vont faire du Nova. Non. Vous pour l'instant vous allez. Vous allez être tranquille. Voilà, bah, c'est bien. Vous stunt le. Oh, c'est parfait. Alors là, je m'en sors pas trop mal. Le tout, c'est de vraiment bien bousiller les béliers, hein, parce que vous avez vu dans plusieurs de mes parties que les béliers sont dévastateurs. Où est-ce qu'ils vont, eux? Qu'est-ce que vous faites? Ils vont où? Qu'est-ce qu'ils font? Eh, mais vous faites pas ces frayeurs-là, les mecs, là. Il va peut-être falloir réparer le mur, là. Hop, on y va. Alors pourquoi je fais du Nova? Pour avoir du minerai pour effectuer mes réparations. Ah, il me tue mon ouvrier. Ah, le mur va tomber. Le mur va tomber. Ah, est-ce qu'il serait pas judicieux d'aller envoyer quelques personnages pour aller détruire ça le temps que... Effectuer une sortie les mecs. Hop, allez me détruire ça. Donc désolé de la coupure, je vais sauvegarder. Une fois que je serai rentré, voilà, nickel. Alors ceux-là, hein, nous sont très très utiles, hein, quand même, hein, je dois avouer. Alors voilà, maintenant il va falloir charbonner. 200 jours. Oh putain, 200 jours en mode moyen. Oh l'en pas fait. 200 jours. Oh, je suis ton père. Oh l'enfoiré. Je vais pleurer. Ils ont l'air de se faire péter quand même. Oh là là. Vite. Oh, on a des renforts. Vite, là-bas. Des renforts. Alors toi, Wibaka, c'est même pas la peine. Putain, il y a des renforts, les mecs. Allez, plus que 180 jours. Plus que 180 jours. Et on aura terminé. Je vais faire une sauvegarde. Oh là là, les mecs. Ça a l'air d'aller, on n'a pas eu... Oh ouais, là, ils arrivent. Ah d'accord, ah mais ce qui est bien, ce qu'ils ne prennent, ils essayent même plus de détruire les... Alors ça, c'est bien. Ça me l'a jamais fait, mais c'est bien. Alors vous savez pourquoi c'est bien? Bah, simplement parce qu'ils sont dans un espace réduit, ils vont se bloquer. Et mes soldats montés vont les laminer. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'ils sont toujours pas envoyés d'avion. Oh là là, là là, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien même en fait. Alors par contre l'arbre commence à prendre des dégâts, je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est, vous vous rappelez du soldat monté qui avait cramé un petit peu mon truc pendant que j'étais en train de me faire bousiller. Alors je vais faire une sauvegarde, puisque je vais couper un instant et je reviens, je suis désolé. Donc, il nous reste 158 jours. Hein.
Donc on va, je pense qu'on va le faire. Hein. Honnêtement, là on a pas mal d'unités. Faut juste faire attention à ce que le transport n'arrive pas à bon terme. Hein. Sinon ça va être impossible. Alors à savoir qu'on ne peut pas construire de tourelles anti-aériennes parce qu'on n'est pas au niveau 3. Donc c'est un petit peu chiant, mais bon tant pis. Ce que je pourrais faire c'est de continuer à construire cette tourelle légère. Je ne sais pas pourquoi je l'ai abandonnée. Je ne me rappelle plus pourquoi. Donc voilà, on a bien détruit tout cela, donc c'est parfait. On a toujours tous nos bolides, c'est nickel. Donc on va attendre que l'Empire envoie une autre armée. Logiquement ça devrait quand même pas tarder, voilà ils arrivent. Il nous reste encore 142 jours. Ça va être long quand même, hein. C'est assez long. Eux je pense pas les faire sortir, j'ai pas tellement envie. Tourelle légère, construction terminée, parfait. Tu vas revenir nous faire ça. On va reprendre des petits soldats lourds montés. Je pense qu'on va refaire du ça. Pas de nourriture. Là maintenant tu peux. On va en refaire un parce que j'ai vraiment envie de one shot le transport aérien si possible. Hein. Si jamais il est envoyé, parce que d'habitude il est envoyé tôt et là il n'envoie pas le truc. Donc là on a, de toute façon il y en a qui vont sûrement mourir, donc ne t'en fais pas, j'ai pas besoin de construire d'habitation. Alors eux ils arrivent, d'accord. Alors logiquement ils ne vont pas tirer sur mes trucs. Si? Non. Ah si, ils tirent dessus quand même. Alors le bélier en premier si possible. L'artillerie aussi, hein. Toi, tu vas les tuer. Le soldat. Nickel. Je voudrais bien que t'ailles tuer lui. Tire sur lui plutôt. Allez, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué par le soldat. D'accord. Génial. Ah, ça y est, il s'en va. Ah, il l'a tué. Oh, il a tué les deux! Ah, quand même! Putain, il était invincible, lui. Il a tué deux de mes soldats, et en plus, il m'aurait pas, quoi. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi est-ce qu'ils viennent pas? 100 jours, ils attendent la barre des en dessous 100 pour en envoyer, ou quoi? Parce que là, je suis rodé, hein, niveau anti-aérien, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20. J'ai 20 trucs anti-aérien, alors, t'as le temps, hein. Voilà, bah lui il est mort, très bien. Soldat lourd monté, création terminée, bah nickel. On en a un en plus. Donc celui-là, bon, pas tellement besoin. Ils en envoient pas, hein. Même en dessous de 100. Je comprends pas. Là, je ne comprends pas. D'habitude, les Dark Troopers ont atterri depuis longtemps. Ils m'ont décimé les moitiés de mon armée. Et là, ils viennent pas. En tout cas, c'est blindé de Dark Troopers, hein. Il y a 5 Dark Troopers dedans. Voire 10, ils ont eu l'amélioration à la con, là. Bon là c'est pas dangereux ce qu'il nous envoie, il n'y a pas de bélier, c'est très bien. Lui il tire toujours sur son machin, c'est pas bien grave, au moins il nous emmerde pas. On va attendre que arrive du coup. Là, il y a de l'artillerie qui arrive, d'accord, de l'artillerie, toujours eux ne bougent pas, c'est quoi ça, c'est des chalutiers, très bien. Des troupes qui se préparent, alors est-ce qu'on a des béliers dans le... Oh bah dis donc. Des béliers, plein de béliers. Alors, il est parti, lui? Non, il est toujours pas parti. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout le jeu. Mais bon. Alors, eux, ils ont dû tuer un truc, d'après ce que j'ai vu. S'ils ont bougé, c'est qu'ils ont dû au moins se douter de quelque chose. Toi, t'es efficace contre les soldats, alors... Et maintenant, il y a ça. Bah, d'accord. Alors, on va faire une petite sortie.
Alors on va faire une sauvegarde avant, parce que vu que j'envoie tout le monde, il y a des chances qu'il y ait des morts. Alors, est-ce qu'à... Ah oui, c'est vrai, il faut ouvrir la porte. Hop. Et vous allez me détruire les artilleries, s'il vous plaît. Logiquement, on va faire qu'une bouchée, hein. Terminé. Terminé. Et terminé. Et lui, on va le poursuivre. Bon, vous tous, vous allez rentrer, hein. Je vois pas pourquoi est-ce que vous allez tous sur le mécanoïde. De toute façon, vous ne pouvez pas... Ah, voilà, ça y est, il arrive. Ah là là, ils ont réussi à se... Ils ont réussi à se débarrasser du truc. Et c'est des Dark Troopers. Ça va être chaud. Ah ouais, ça va être compliqué là. Et ça commence le gros raid. Oh, c'est chaud, il va pas tenir le monument à 46 jours, il tiendra pas. Cette mission est très dure, hein. Honnêtement. Vous avez vu tout ce que j'ai perdu là en l'espace de 2 secondes. C'est assez chaud. Je voudrais bien que vous... Voilà, ça. Alors je suis concentré, désolé, hein. Je vais pas trop parler. Oh putain, ils arrivent. Oh là là là. Mon dieu. Mon dieu, ce qui se passe. On va faire des soldats, hein, tant pis. Toi t'es mort. Toi tu vas pas tarder. Ah ouais, ils sont en train de me bousiller mes trucs. Alors allez là-dedans. Allez là-dedans. Allez là-dedans. Vite, 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 au moins 4-5. Ah là là, c'est dur. Qu'il est dur ce niveau. Alors toi, est-ce que tu peux pas... Alors encore 26 jours, faut que je tienne encore 26 jours. Ça devrait aller. C'est très très dur, hein. Franchement, ce niveau est très très dur. Oh, il y a des machins. Vous, vite. Vite, vite, vite. Oh, ça devrait aller. Ça devrait aller. Dépêchez-vous un peu. Oh, il va pas tenir. Il va pas tenir. Vite, vite, vite. Oh, il est stunt un peu, tant mieux. Trop loin. Ouais, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Vite, 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 vite. Il y en a d'autres. Toi, va, ça. Hein. Toi aussi, tu vas aller le tuer. C'est chaud. C'est très chaud, cette mission. Plus que 8 jours. Hein, c'est bon, on a gagné. On a gagné. On a gagné, mais c'est dur. Hein. On a gagné, mais c'est très, très dur. Là, le coup des Stormtroopers, des Snow, des Dark Troopers, là. Ça m'a achevé. Mais il a tenu, l'arbre. Il a tenu. Petite sauvegarde, en espérant qu'ils aient pas un croiseur interstellaire qui vienne bousiller mon truc. Que c'était dur. Elle était vraiment dure, cette mission. Nickel, victoire. Oh là là. L'arbre gouvernemental a été construit et protégé. Je n'en croyais pas mes yeux. Visiblement, avec un peu de graisse et quelques fils électriques, un Wookiee était capable de construire n'importe quoi. Yann voulait contacter la République, mais comme souvent, son plan ne s'est pas vraiment déroulé comme prévu. Donc voilà, alors là, on en a bien chié, hein, je suis désolé. Combat. On a perdu 84 unités, hein, on en a tué 107. Bâtiment rasé 5, oui, des 32e. Voilà tout ça, hein. Niveau technologique 2 passé, un monument évidemment, et l'évolution
Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui était très très dure à faire. J'ai été un petit peu débordé à la fin, mais bon, ça s'est vu, mais j'ai plutôt bien géré, je trouve. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve pour la prochaine. À plus.